Salut Pierre! Salut les gars! Salut Pierre! T'as presque fâché ces arbitres, là, ouais, excuse-nous. D'après moi, il s'est déjà fâché lui aussi. T'es arrivé à quelqu'un. Comment ça va, Pierre? Puis c'est toujours les mêmes qu'on s'en chappe. Les deux, vous le savez, il y en a qui nous aiment un peu plus que d'autres. Ah, c'est ça, c'était carrément les maudits arbitres. C'est une, on va commencer avec ça. C'est toujours plus facile de briser la glace sur des sujets chauds. Les arbitres, là, on en parle depuis tantôt. On en a parlé aujourd'hui à cause de l'histoire de Patrick Roy. Là. À quel point est-ce que c'est un facteur de discussion? Je veux pas savoir les arbitres s'ils font pas leur job ou pas, mais lorsque les DG rencontrent les entraîneurs, est-ce qu'il y a souvent des discussions avec les arbitres de la Ligue nationale de hockey? Oui, il y en a des fois, si on voit qu'il y a un certain pattern, si je pourrais dire, avec certains gars ouais. qui sont un peu, on trouve un peu moins juste, il y a certaines discussions, c'est surtout avec les entraîneurs. J'aime mieux qu'il en, parce que nous autres, dans notre boîte, on n'a pas affaire à leur parler pendant le match. C'est surtout, je vais demander, est-ce que mon entraîneur peut rencontrer un arbitre, s'arbitre ici ou s'arbitre là, juste pour voir s'il y a un problème de relation, si les deux ne communiquent pas assez pendant les matchs. Donc oui, ça arrive à quelques reprises pendant la saison. Mais comme j'ai dit auparavant, il y en a... le coach... très, très bon, puis il y en a une couple qui sont un peu moyens. Le coach change, mais le problème reste. Ça, c'est spécial, tu sais. Est-ce que tu as réussi à te reposer un peu? Parce qu'on va se le dire, tu as eu un été assez mouvementé, puis assez... exceptionnel, là. Disons que tu as bien géré ça. Je pense que quelques dernières semaines, je joue un peu de golf. Je passe beaucoup de mon été à Tremblant. Donc, je joue un peu de golf là, été d'une coupe de chum. Donc, à part ça, les deux dernières semaines, un peu de temps de relaxation. Les acquisitions cet été, là, on s'entend à l'attaque, c'est quand même spectaculaire, le gardien de but aussi. Le blueprint, c'est quoi? On veut des joueurs rapides partout dans l'alignement. C'est quoi le goal de cette organisation-là? Ben, premièrement, il fallait qu'on amène un peu plus de talent. On n'avait pas assez de talent, je pense, pour compter assez de buts, pour espérer avoir une équipe de premier plan. Par la suite, c'était évidemment le gardien de but. Tu sais, c'est pas un gros secret dans le hockey. Si tu n'as pas de gardien de but, tu ne vas pas gagner bien des matchs. Puis en même temps, aujourd'hui, on s'est amélioré, je pense, dans notre bottom six, dans notre troisième et quatrième trio. Ouais. On voulait s'améliorer là. On a perdu un gros morceau en Connor Brown. Mais en même temps, on voulait avoir quelqu'un qui va nous aider sur le désavantage numérique. Comment s'est passé la négociation? Rentrer un gars comme Claude Giroux dans votre vestiaire pour une durée de 3 ans, ça va être un gars, il a tellement d'expérience dans la Ligue nationale, natif de l'Ontario. Je pense que c'est un gars, un fit idéal pour vous. Oui, non, ça s'est bien passé. Je pense que Claude voulait revenir à la maison. Et puis nous autres, on était bien contents de l'accueillir. Donc, ça n'a pas été des négociations qui ont été bien, bien longues. On avait une idée, ça serait environ le contrat qu'on devait faire pour le signer. Mm-hmm. On savait qu'il y avait d'autres équipes dans le portrait aussi, mais je pense une fois qu'on s'est montré assez généreux envers son égard, puis il a décidé de signer avec nous. Il y a plusieurs personnes aussi, le côté transaction se demande toujours comment ça fonctionne les GM. C'est-tu une gang de chums ou c'est une gang d'ennemis? Comment ça fonctionne quand tu vas aller chercher un joueur? C'est-tu un email officiel ou c'est un petit chat ou un FaceTime dire ce joueur-là il m'intéresse, ça n'a pas l'air de bien aller pour lui, c'est ici de ton bord? Ou... Ben, tu sais, il y en a que on est tous des chums et on veut tous se mettre des couteaux dans le dos. Pas pour se faire mal, mais pour avoir le meilleur de l'autre dans une transaction. Ouais. Il y a certaines, là, je ne dis pas des grands secrets, il y a certaines cliques parmi les DG. Puis il y en a, tu sais, moi, j'aime dire que je ne suis pas dans aucune clique, puis je suis juste ami avec tout le monde. Puis c'est surtout, on s'appelle. Comme moi, quand j'ai vu, et puis je ne le cache pas, quand j'ai vu que Bill Guérin il a parlé de Cam Talbot de. L'agent avait dit quelque chose, puis après Bill Guérin, il dit il va juste accepter. J'ai appelé Bill, je dis tu serais-tu prêt à l'échanger? Puis, tu sais, il y a certains gars que tu peux leur parler, puis tu peux leur parler comme on se parle tout de suite. Ou des fois, on peut se parler comme avec mes chums que je prends une bière avec après le golf. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? OK, ouais, parfait. Non, non.
Puis des fois, ils vont dire « t'es un idiot de me demander ça ». Puis il y en a d'autres qui c'est un petit peu plus formel. Puis, tu sais, des fois, c'est des relations. Des gars que j'étais dépisteur avec, que j'étais dépisteur chef avec. Il y a des fois, c'est une couple qui sont des agents maintenant que des fois, on se crie un après l'autre. Puis par la suite, le respect vient par la suite. Puis donc, c'est différent. Je pense il y en a certains gars qui, on dirait qu'ils fonctionnent juste par texte. Okay. Puis il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils savent c'est quoi un texte. Donc, l'autre génération. Tu parles-tu de Louis Lamoriello, là? Non, lui. Il envoie des fax. Non, lui, c'est des appels de bonheur le matin. Je suis un lève-tôt, puis j'ai pas peur de dire que moi et Lou, des fois, on s'est parlé entre 5h et 6h le matin. Ouais, c'était carré. Ah ouais, hein? Puis tu parlais tantôt des agents. Comment c'est quoi ça change justement un agent dans le sens qu'il était des deux bords, là? T'sais, il a tiré à couverte pour son joueur, là, il tire la couverte pour son équipe, là, il veut gagner contre toi, mais il y a un peu une vision différente peut-être qu'un recruteur ou un ancien joueur? Oui, oui, c'est un bon point. C'est vraiment, des fois, ça arrive que, tu sais, lui faisait son travail comme agent, mais là, il est rendu de notre côté, puis il doit faire son côté de cette manière-là. Tu sais, comme parfait exemple, je suis assis, puis j'ai pris un café Kent News, puis on se parlait, puis je dis, tu sais, comme on parlait des joueurs qu'il représentait, quand il était agent, puis là, il était rendu de l'autre côté de la médaille, puis comment c'était différent, puis tu sais, c'est quelqu'un que je respecte énormément, puis tu sais, je pense qu'il comprenait plus qu'est-ce qu'on vivait quand on négociait de notre côté. Y a-tu des IOU dans ce monde-là? T'sais, ça arrive-tu que 8 ans plus tard, tu te rappelles-tu quand je t'avais sorti de la merde en 2008? Là? Tu peux-tu me donner un joueur? Là, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. D'après moi, il en doit une au DG des Sharks. je ne veux pas dire qu'il y a des IOU, mais je pense des fois, certains DG qui sont des bons chums vont s'entraider. Ouais. Je t'ai fait ce faveur ici, il y a peut-être 2 ans, pourquoi tu ne me fais pas ça? Mais c'est pas quelque chose que je pourrais dire que, qui arrive souvent. Qui arrive souvent, c'est ça. Non, c'est ça. C'est venu comment, Pierre, le hockey, le scouting, cet intérêt-là pour la Ligue nationale ou même d'être dirigé une équipe? C'est venu à travers mon père. Mon père était dépisteur-chef de la centrale, le bureau de recrutement de la centrale. Par la suite, il était dépisteur-chef pour les Maple Leafs de Toronto jusqu'à temps qu'il est mort à l'âge de 49 ans. Puis moi, j'étais pas bon. J'étais un mauvais gardien de but. Puis mon père me dit qu'il avait insisté là, que j'aille à l'université. Donc, j'avais été à l'Université d'Ottawa. Puis en même temps, je travaillais pour les sénateurs d'Ottawa Juniora puis dans les Ontario comme dépisteur. Puis par la suite, j'ai travaillé avec les Canadiens. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé une couple d'années pour les Rangers. Puis après ça, j'ai fait mon parcours avec les sénateurs en tant que. J'ai commencé comme dépisteur-chef, directeur du personnel, assistant gérant et manager. Quel point ça a changé justement, ce métier-là, la vision, comment approcher les jeunes, les joueurs, parce qu'on s'entend, là, ça a changé là, la façon de jouer au hockey, la façon d'agir en dehors de la patinoire aussi. Là. Quand tu vas voir un joueur, regardes-tu encore les mêmes choses que tu regardais quand tu as commencé? Oui, tu vas être surpris de dire ça. C'est encore une game de hockey. C'est encore jouer avec une rondelle. Certaines choses ont changé dans les critères d'évaluation. Comme je fais pas beaucoup de recrutement comparé auparavant, mais je suis très impliqué pour notre choix de première ronde. Tu sais, comme l'année qu'on avait Stutzel, Sanderson, qu'on a pris, c'est Ridley, Greg, Yerventy. Là, j'étais vraiment impliqué cette année-là parce qu'on avait beaucoup de choix. Mais je dirais qu'on fait un petit peu plus attention aux médias sociaux, qu'est-ce que les jeunes y mettent sur avant, je pense pas ni un, quand on vous a repêché, ni un ni l'autre savait c'était quoi un Twitter, puis je pense même pas que ça existait dans votre tête. C'est une bonne affaire. Donc, non, mais Pierre, je vais te dire, j'aurais aimé ça en astique. Mais ce côté-là, on peut peut-être regarde ça, mais tu sais, je pense que la game est maintenant plus vite qu'elle était il y a 10 à 15 ans. C'est moins physique que ce l'était il y a 10 à 15 ans. Tu sais, tu as encore besoin du sens d'hockey, des mains, savoir jouer dans un système, t'ajuster. Les entraîneurs, c'est totalement, je dirais en général,
c'est totalement différent. Il faut que tu sois un beaucoup meilleur communicateur qu'il était le 10 à 15 ans passé. Non, c'est ça. 10 à 15 ans passé, il est en train de dire si, ça, puis si t'as pas ça, va-t'en. Ouais. Puis cette année, maintenant, tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Tu parles aux joueurs. Il y a une chose qui m'intrigue, moi, personnellement. Quand vous allez voir des joueurs, puis tu analyses, par exemple, un studio-là qui était contre des hommes dans du hockey professionnel en Europe, puis tu regardes un joueur dans la Ligue junior, comment tu fais pour être capable de voir les petites différences? Parce que, veux pas, il y en a un qui joue d'un meilleur calibre. Oui, sans aucun doute. Tu sais que dans la Ligue, c'est aussi savoir un peu l'historique de chaque ligue. Je pense que dans la Ligue de l'Allemagne, la meilleure ligue là-bas, c'est un peu plus lent que certaines autres ligues, mais il y a des meilleures mains. Le sens de hockey est quand même très, très bon là à un certain point. Donc, c'est ça va s'ajuster. Comparé à si tu vas regarder des gars de 18, 19, 20 ans, on sait tous qu'il y a des gars de entre 27 et 34 ans vont tous être meilleurs que des gars de 18, 19 ans. Ouais. Donc, si un jeune peut performer souvent à ce niveau-là, on sait qu'il va être un bon joueur. Et c'est la même chose avec un gars comme le Canadien a pris en dernière année. Quand j'avais été le voir jouer, parce que nous autres, on ne savait pas exactement où ce qu'on était pour choisir, tu vois qu'il était capable, dans la Ligue de la Finlande, capable de faire des choses à un haut niveau. Puis la Ligue de Finlande, c'est quand même une bonne ligue. Je pense que le talent total n'est pas aussi supérieur que d'autres ligues européennes, mais le niveau de jeu était quand même assez haut, donc on savait qu'il va être un très bon joueur des Canadiens. Tu parlais tantôt du jeu physique puis de l'intelligence, puis je pense que le nom qui nous vient en tête, c'est Brady Tkachuk. Je pense que ce gars-là cadre dans l'ancien hockey, mais dans le nouveau. Quand ce gars-là a glissé à vous autres, vous deviez dire « Wow, quel cadeau qu'on vient d'avoir là! » Oui, mais je peux te dire qu'on était pas mal content. Puis on s'est fait critiquer énormément à Ottawa, ben parce que il y avait d'autres gars qui avaient eu beaucoup de points, soit dans le junior, pourquoi on a passé par ça. Mais moi, je me rappelle, au début de l'année, j'avais été le voir jouer, puis je n'étais pas inquiète. T'sais, des fois, des gars qui jouent au collège, c'est un petit peu plus difficile de marquer. Puis, il n'y avait pas de centre, il ne jouait pas aucun centre. Mais son centre, c'était Greenway, qui est un allié. Puis quand tu allais le voir jouer à BU, si tu prends tous ces facteurs-là en considération, puis tu savais le caractère, la famille, ouais. Puis il était pour faire tout pour essayer de devenir un très bon joueur de hockey. Puis par la suite, on était bien content quand il a glissé à nous. Tu parles de la famille en ce moment, justement. Est-ce que vous faites ça souvent, de regarder d'où le jeune vient? Puis bien évidemment, là, vous faites des recherches, mais à quel point c'est important que sa famille joue au hockey? C'est important, mais tu sais, il y en a beaucoup des fils de pères qui ont joué dans la Ligue nationale que des fois sont gâtés pourris puis ne veulent pas travailler pour. Donc, tu sais, il y a deux côtés de la médaille. Tu sais, quelqu'un qui s'est toujours fait dire, ben, tu n'as pas besoin de travailler à cause de ton nom. Puis là, quand il arrive, il monte à un niveau où est-ce qu'il a besoin de travailler, mais il n'a jamais travaillé de sa vie. Donc, des fois, il faut regarder un peu les deux côtés de la médaille. On parle de Talking Town à Montréal, là, c'est la nomination de Nick Suzuki comme capitaine. Vous avez nommé Brady Tkachuk quand même assez jeune dans sa carrière. C'est-tu une discussion de dire il est peut-être pas prêt, mais on est en reconstruction et on va travailler avec lui avec des bons vétérans? Ça a-tu fait partie de votre discussion quand vous l'avez nommé? Un peu. Tu sais, c'est quand même un bon point que tu apportes. Mais nous autres, notre point, c'était OK, on va faire sûr qu'on a assez de bons vétérans autour de lui. Mais on sait que c'est sa chambre. Puis comme quand on avait une décision difficile à prendre, c'était entre lui et Thomas Chabot. Ça, c'était sans aucun doute. Puis comme c'est leur chambre. Je dis toujours à eux autres, c'est votre chambre à vous deux. T'sais, donc, mais il fallait qu'on en nomme un capitaine. Je ne croyais pas au système que tu as deux capitaines. Je pense que non. Ça, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est comme pas prendre de décision. Ouais. Donc, c'est s'assurer sa clôture et dire. Un est là, l'autre est là. Donc, il fallait qu'on en nomme un. Puis, Thomas, il a des qualités exceptionnelles. Ouais. Puis, je n'ai pas peur de vous dire que quand l'an passé, pendant une longue période de temps, notre meilleur joueur. Ouais. Mais pour nous, on pensait juste que Brady était le meilleur choix. Puis, on savait qu'il était notre noyau de jeunes groupes, qu'il était peut-être la personne qui avait le plus de respect là-dedans. Pas que Thomas n'avait pas, là. Mais on s'est dit quand on va aller à la guerre, et lui va être la personne qui va pouvoir être sur la première ligne. Est-ce que vous avez hésité entre
faire un vote de joueur puis la direction décide? Ou ça a été vraiment, on s'en va? Joël Bouchard disait aujourd'hui, si la direction fait un vote, c'est parce qu'ils sont 100% certains que c'est le résultat qu'ils veulent avoir. Oui, non, c'est un bon point. Des fois, parce que, tu sais, c'est comme au secondaire. Quand tu votes pour ton président de classe, c'est un concours de popularité. Ouais. Puis nous autres, on veut gagner des games. On ne veut pas avoir un concours de popularité dans le champ. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut que tu penses un peu. Pour nous, c'était qui va être la meilleure personne pour être notre capitaine. Puis surtout le fait qu'on venait juste de signer un contrat de 17 ans. Puis notre noyau est encore assez jeune. On pensait juste que c'était pour être la bonne personne. C'est quoi le bon capitaine dans le hockey d'aujourd'hui? Pratique fort, joue encore plus fort, peut être une voix pour entre la chambre et les entraîneurs. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier tout pour gagner. Puis comment que ça fonctionne dans ce cas-là? Là? Par exemple, tu as un gars comme Claude Giroux qui arrive, un ancien capitaine, un vétéran. Mais là, le messenger, c'est Tkachuk qui est un jeune joueur entre le vestiaire. Puis les... Il me semble que l'ancien capitaine, ça doit être tenté de venir mettre son petit grain de sel là, dans les décisions. Il parle au DG, lui. Oui, c'est ça. Lui, il texte, hein? Non, Claude, ça fait assez longtemps que je le connais. Les deux, on vient du même coin en banlieue d'Ottawa. Donc, non, je pense que lui, il sait que c'est la chambre à Brady et à Thomas. Mais je pense qu'il peut juste leur aider. Puis c'est comme quand on y a parlé, après qu'on l'a signé, qu'on a eu des plus longues discussions, il sait exactement où est-ce qu'il fait dans cette chambre-là. Puis je pense que ça peut juste être un atout pour Brady. Ouais. Un helper, oui. Tu disais tantôt, ça fait longtemps que tu travailles pour les Sens. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer un court laps de temps avec les Sénateurs là-bas. Puis le DG, quand moi j'étais là, c'était Brian Murray. Qu'est-ce que cet homme-là t'a appris le plus dans le hockey? Oh, il m'a tellement appris. Et, il me disait toujours, Pierre, c'est juste une game. Parce que je pense que mon sang latin il est quand même assez fort. Puis quand on perd, on vient fâché. Puis il me disait toujours, Pierre, c'est une game. C'est correct d'être fâché. La meilleure chose qu'il m'a appris, c'est que Brian, pas l'histoire, mais je le sais, il était tough. Physiquement, c'était un homme, il était âgé à la fin, là, mais il était un homme fort. Il n'a jamais levé la voix envers moi. Il me parlait à place de... Si je faisais quelque chose de mal, il m'en parlait à place de lever sa voix ou se fâcher après moi. Je comprends pourquoi c'est un tellement bon entraîneur, même quand il était à Washington ou auparavant, parce qu'il savait comment parler aux gens. Je pense que c'est juste... Tu sais, moi, des fois, on sait tous c'est quoi nos forces, nos faiblesses. Tu sais... Pour moi, il m'a juste montré comment parler aux gens. Juste leur parler pour qu'ils comprennent le message. C'est quand même un très bon conseil. Quand même un très bon conseil à garder. On reste dans les gens qui t'ont aidé, appris ou donné une opportunité. C'est certain, c'est deux personnes décédées. Là, Brian Murray, et cette année, vous avez vécu le décès d'Eugene Melnyk, qui était le propriétaire de l'organisation. Qu'est-ce que ça a fait comme vide dans l'organisation? Puis quel changement que tu vois dans la nouvelle garde, dans le fond, des Sénateurs d'Ottawa? Oui, la nouvelle garde a bien changé parce que je répondais évidemment à M. Melnyk et puis trois autres personnes qui étaient sur un comité. Mm-hmm. Puis je réponds encore quand même aux trois autres personnes qui sont sur le comité. Des fois, quand c'est des grosses, grosses décisions, je parle aux deux filles de Eugene. Mais le plan qu'on avait mis en place il y a plusieurs années reste tel quel. Lui, Eugene, c'est quelqu'un qui était... Chaque décision, il voulait avoir... Il n'y avait aucune décision que je... Il était partisan. Ouais. Il était émotionnel. Mais chaque décision, il aimait toujours avoir la logique pourquoi je prenais cette décision-là. Mm. Surtout à mes débuts comme DG. Mais même à la fin, OK, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est quoi les bénéfices pour l'organisation? C'était plus quelqu'un qui... Il voulait toujours que je pense... chaque décision que je faisais comme DG ou que mon groupe d'hockey faisait, de bien l'analyser puis faire sûr que tu prennes la bonne décision. Est-ce que tu avais déjà eu un call, genre que tu
tu étais pas mal sûr de faire un échange ou un move, puis à cause de sa conversation avec lui, tu as fait comme « Ouais, OK, je vais laisser faire » ou… J'essaie de penser. Y avait-tu dit que tu allais chercher Guillaume ou… Un gros slow blessé, qu'est-ce que tu fais, Pierre? J'essaie de penser. En général, non. Tu sais, comme j'essaie de penser, puis en général, on se parlait toujours, puis tu sais, je me rappelle quand on… Juste un exemple. Je ne veux pas dire les autres équipes, mais quand on a échangé Derek Brassard à Pittsburgh, je disais, tu sais, on n'est pas profond comme gardien de but, comme des jeunes gardiens de but. Puis dans cette année, ils avaient donné Philip Gustafsson qu'on va juste échanger pour Cam Talbot. Puis j'avais une autre équipe qui m'échangeait, je dirais pas meilleur, mais similaire. Mais il n'y a pas de gardien de but. Puis c'est une fois qu'il me dit, tu sais, Pierre, tu me parles toujours de ça, pas de gardien de but, de gardien de but, puis tu es toujours sur la position la plus importante. Va chercher, tu sais, il venait d'avoir gagné le meilleur gardien de but au championnat junior mondial. Mm-hmm. Donc, c'est un exemple des discussions que j'avais avec lui. Ah, c'est le fun d'un bord, mais de l'autre bord, c'est le fun aussi de dire, je peux-tu prendre mes décisions, m'amuser? Puis justement, ça m'amène à ma question, parce que je me mets dans tes souliers, puis l'échange d'Eric Karlsson, l'échange de Mark Sohn, dans un court laps de temps, tous les yeux étaient arrivés vers les Sénateurs d'Ottawa. Comment ça s'est passé, cette décision-là de dire on échange Karlsson, on échange Mark Stone du côté de Vegas? Oui, pour Karlsson, c'était quand même simple. On lui a offert un contrat. Il avait dit qu'il était, à ce moment-là, il n'était pas intéressé de signer avec nous. Donc, on a juste décidé à l'échanger. T'sais, on avait fait offert le contrat le 1er juillet, puis on s'avait dit on espère de pouvoir l'échanger par le camp d'entraînement. C'est arrivé là. Première journée du camp d'entraînement, travailler fort sur ce change-là. Avec Mark Stone, c'est un peu plus difficile d'un côté personnel parce que, tu sais, je pensais peut-être que si on ne l'échangeait pas, que peut-être on aurait une petite chance de le signer, ma tête a bien fonctionné disant peut-être que je n'ai pas l'échange que je veux. Puis j'avais plusieurs équipes que quand on dit que les offres étaient vraiment pas bonne, mais j'ai été la meilleure qu'on avait. Parce que je savais que, fort probable, peut-être qu'il y avait un petit 5% qui dirait peut-être qu'il signerait d'ici la fin de l'année, mais le 95% dit on va chasser, avoir le mieux qu'on peut pour lui. Et il y a d'autres échanges de ses côtés personnels, comme Pajot, ça m'a vraiment blessé parce que c'est quelqu'un que j'ai vu souvent jouer à Gatineau. Mais où est-ce qu'on était? Puis si on balançait ça, le contrat qu'il voulait avoir, ou quand on pensait qu'on commencerait à gagner, s'il serait encore le même joueur, puis il l'est encore, est-ce que ça valerait la peine ou faudrait-il qu'on commence à payer de nos jeunes qu'on était pour pêcher? Donc, celle-là, ça a fait un peu plus mal du côté personnel, mais tous les échanges qu'on a faits, je ne m'ai jamais fait dire faut t'échanger lui, M. Malik me laissait toujours faire mon travail. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu peux penser que l'échange d'Eric Karlsson allait t'emmener Josh Norris, allait t'emmener Tim Stützle, Rudolph Balcers. Honnêtement, aujourd'hui, quand on regarde avec le recul, quelques années plus tard, cet échange-là est un coup de circuit complètement. Oui, oui, cet échange-là, je pense que c'est... J'aimerais s'en faire d'autres comme ça, mais je sais que t'es bien eu, Pierre. Le téléphone est ouvert. quand on regarde dans la Ligue nationale comme aujourd'hui, t'as un Kachuk puis son frère qui joue dans la Ligue. On est-tu porté à le regarder plus jouer, justement, parce que c'est son frère? On veut-tu... C'est important d'avoir des liens comme ça dans une équipe? Parce que veux pas, ça amène comme un esprit d'équipe instantané puis un certain power dans le vestiaire. Oui, puis les deux, vous avez bien plus d'expérience dans un vestiaire que moi. Ouais. Mais oui, il y a une certaine affinité des fois d'avoir des liens un peu plus personnels. Mais comme c'est quand on a fait l'échange pour Karlsson, le meilleur ami à Brady, c'était Josh Norris. OK. Ah, oh, wow. Donc, des fois, on est un peu au courant de certaines situations. Puis c'est la même chose quand que, je veux vous dire une histoire, j'espère que ça ne dérange pas Thomas Chabot, je le dis. Comme Thomas Chabot, il est venu me voir, puis il me dit, Pierre, puis c'est ça que je respecte tellement de Thomas. Il est venu me voir, puis il me dit, Pierre, Nick Paul, il est vraiment important ici. Là. J'aimerais ça qu'on le garde. Oh, wow. Puis
Par la suite, on l'a échangé pour Mathieu Joseph. Le premier appel que j'ai fait après avoir parlé à Mathieu, que c'est son répondeur, j'ai appelé Thomas et je dis Thomas, je respecte ton opinion énorme, mais on a été chercher Mathieu Joseph, puis je sais que c'est un bon chum, puis il était bien content. Mais c'est des choses que c'est à nous de savoir ces choses-là, qui est des fois qui est chum, qui a une certaine synergie. Parce que, tu sais, des fois, vous le savez, les gars, 41 matchs sur la route, tu veux être avec des gars que t'aimes. Tu veux être des gars que tu as certaines choses en commun avec, parce que ça vient long des fois. Ça arrive-tu qu'on consulte un vétéran avant une grosse transaction pour aller chercher un joueur, tu sais, dire lui, serais-tu prêt à l'avoir sur ton trio ou quelque chose comme ça? Des fois, m'a consulté, comme l'année passée, j'ai consulté à quelques reprises, surtout le groupe de leadership, m'a allé consulter Brady et Thomas. Sur, OK, joueur X est peut-être sur le marché, est-ce qu'il va faire dans votre chambre? Moi, je le connais comme joueur, je sais, il peut nous aider à un certain point. Est-ce que vous pensez qu'il peut rentrer puis avoir quand même une synergie avec les autres joueurs? Est-ce qu'il va mêler toutes les cartes dans la chambre? Parce qu'il y a certaines personnalités qui peuvent bien aller ensemble, puis des fois, c'est pas que le fait c'est un mauvais gars, mais tu sais, il y a certaines grosses personnalités qui peuvent rentrer dans une chambre, ça peut tout détruire. Changer la La culture, l'esprit d'équipe. Puis des fois, c'est pour un bien ou un mal. Donc, en général, non, je ne vais pas aller voir un joueur. C'est plus, je vais aller voir le groupe de leadership. Souvent, je demande à DJ de faire le message parce que c'est surtout lui qui parle aux joueurs à la place de moi. Quelle place vous laissez? Tu sais, les Sénateurs ont peut-être pas l'histoire ou le passé du Canadien de Montréal. Puis Marc Bergevin a été critiqué beaucoup à Montréal par rapport à l'espace qu'il laissait aux anciens Canadiens durant son séjour à Montréal. De ton côté, on voit les Chris Neils, Chris Phillips qui reviennent autour de l'organisation. À quel point ces conseils-là de gars qui ont bâti votre organisation peuvent être importants dans votre vestiaire? Ah, moi, je trouve ça primordial. Moi, je trouve ça, tu sais, c'est ces gars-là qui ont donné à l'équipe. Tu sais, je dis toujours, la Ligue nationale, c'est à propos des joueurs. Ouais. Tu sais, personne qui achète des billets pour aller voir Pierre Dorion regarder une game. Il est là! Oui, exactement. Donc, tu sais, puis j'ai parlé l'année passée, j'avais une très bonne discussion avec Corey Boschman, qui est en charge de nos anciens sénateurs, disant que n'importe quel temps que les gars veulent venir, sont toujours bienvenus. Avec le COVID, c'est un peu plus difficile, mais vous allez voir de plus en plus que, tu sais, comme le camp d'entraînement, qu'on invite des gars à venir. Tu sais, je dis toujours aux gars, à travers de Laurie, que si les gars veulent venir, puis quand que les gars ils ont leur lunch, peut-être pas leur dîner avant d'un match, là, mais la journée de pratique, toujours des lunchs, qui veulent venir s'asseoir avec les gars, sont toujours bienvenus. T'sais, on a la porte ouverte pourvu qu'ils ne commencent pas à dire que tu devrais jouer comme ci, que tu devrais jouer comme ça, qu'ils mêlent le message du coach. Je pense que nos anciens, de plus en plus, on aimerait qu'ils soient plus en entour de l'équipe. Ouais, c'est important. Tantôt, Pierre, tu mentionnais que quand tu as vu la situation avec Bill Guérin au Minnesota, puis Talbot, puis tu as entendu l'histoire, ça veut-tu dire que les directeurs généraux, comme les joueurs, suivent les médias, mais ils disent qu'ils ne suivent pas ça? C'est-tu le message que j'ai compris? En plein ça. Ça t'est-tu déjà arrivé de te fâcher? Après un média, puis dire « je vais mettre les choses, je m'en appeler, puis on va fixer ça. » On parlait des arbitres tantôt, là on est rendu des médias. tu sais, Ottawa... C'est différent. Tu sais, comme il y a certains marchés comme Montréal, les médias, c'est une différente machine. Ouais, c'est ça. Les mêmes choses avec Toronto, tu sais, je mettrais même peut-être Vancouver là-dedans. Ottawa, les médias, c'est un peu différent. Mais tu sais, des fois, on fait affaire avec des gars qui écrivent ou qui travaillent pour les chaînes de télévision nationales. Ouais. Puis des fois, ils écrivent des choses ou ils disent des choses que il a entendu peut-être d'un agent ou de quelqu'un d'autre, puis c'est même pas proche d'être vrai. Puis des fois, ça me fâche. J'aimerais ça pouvoir les appeler et vous dire « Hey, t'es tellement... » Dans le champ. « Qu'est-ce que tu parles? » Mais des fois, c'est mieux de laisser ça aller. J'adore ça. Tantôt, tu parlais de Mark Stone, que t'étais 5% peut-être de le signer, whatever. Vous avez en ce moment Alex Debrincat. Est-ce que vous avez commencé des conversations? Est-ce que c'est un joueur, vous, c'est certain, de votre côté, vous souhaitez le garder à long terme, là, un marqueur de but comme lui? Oui, sans aucun doute, on a essayé de garder à long terme.
J'avais une couple d'autres dossiers que je voulais essayer de faire le plus vite. Puis, évidemment, avec lui, on peut commencer à parler. On peut juste le signer un an à partir du 1er juillet l'année prochaine. Donc, à ce moment-là, je pense que plus la saison avance, on va voir. Mais de son côté, je pense qu'il veut juste voir comment on est, comment Ottawa est, ouais. comment la Chambre est, quelle sorte de rôle, toutes ces choses-là. Donc, on a 2 ans. C'est un peu différent quand tu changes pour un gars et tu aurais juste un an avec. Mais quand tu as 2 ans, on a 2 ans aussi de tout y montrer pour qu'essayer de le garder à long terme. C'est-tu difficile, ça, pour un directeur général de négocier dans saison avec un joueur? Oui, j'aime pas ça. J'aime vraiment, vraiment pas ça. Moi, là, mais comme avec Tim Stutzla, puis même quand on a fait Chabot à long terme, ça a tout été fait avant que la saison commence. Idéalement, c'est toujours mieux de... Parce que quiconque, que ce soit n'importe quel joueur, on sait tous que, en général, les points dictent les contrats. Ouais, ouais. À moins que tu aies un défenseur défensif ou tu aies un rôle spécifique, c'est ça souvent qui dicte quelle sorte d'argent tu vas avoir. Puis, autant que tu ne veux pas tricher, les joueurs, des fois, ils trichent. Puis, c'est difficile pour l'entraîneur. Moi, c'est pas si difficile que ça pour négocier. C'est juste que ça vient difficile pour l'entraîneur. Puis, ça vient difficile, surtout quand c'est un gars qui veut un contrat, qui va être un agent libre sans compensation. Ouais, mais ça. Dernière question de mon côté, Pierre, parce que tu as été assez généreux avec nous ce soir. On a vu l'annonce du retrait de chandail de Mariannossa du côté des Blackhawks de Chicago. Mais on connaît plus, on dirait Mariannossa à Ottawa. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la discussion, peut-être, de faire un retrait de chandail aussi pour lui? On a parlé de plusieurs choses avec Mariannossa. Tu sais, c'était un joueur de premier plan des Sénateurs d'Ottawa pendant longtemps. J'irais plus de succès d'équipe avec les Blackhawks. Donc, faut qu'on respecte ça. Mais, tu sais, on parle de faire plusieurs choses, surtout que c'est notre 30e anniversaire avec plusieurs anciennes vedettes de l'équipe. Nice. Intéressant. Très bon. Merci beaucoup, Pierre. Ouais, merci, Pierre. Super apprécié. Est-ce que tu t'en vas à Buffalo? T'es-tu, Oui, demain. Demain? Demain, direction Buffalo. Demain, un côté personnel, il fallait que j'achète un auto pour mon garçon. Puis il joue junior à Hawkesbury. Donc, je viens amener sa première auto ce soir. Donc, c'est ça que j'avais à faire. Grosse célébration. Excuse-moi, j'ai une dernière question. À cause que là, tu parles le camp des recrues. Tu dis tantôt, je suis moins dans le scouting, moins dans ces choses-là. Quand tu vas au camp des recrues, est-ce que tu prends le temps de regarder d'autres jeunes des autres organisations pour dire, s'il y a une transaction un jour, ben, j'ai des notes ces kids-là dans le moment, dans le prime time du camp d'entraînement? Oui, mais pas avec le même œil que j'avais comme quand j'étais dépisteur chef ou quand j'étais directeur du personnel. Oui, on y va. Souvent, quand on voit ces tournois de recul-là, mes meilleures conversations, c'est avec les DG à ce moment-là parce qu'on n'a pas encore perdu un match. On n'est pas sous stress. Et des fois, on est un peu plus voir un avec l'autre. Donc, je pense à Buffalo, j'ai hâte de parler avec plusieurs de mes collègues-là parce que, tu sais, on pense tous que nos équipes vont être bonnes. On pense tous qu'on a des prospects. Puis une semaine quand la saison commence, on haït tout le monde. C'est parfait. Ça finit parfaitement cet entretien-là. Merci beaucoup. C'est on va vous suivre cette année parce que vous avez une équipe spectaculaire. Puis beau travail, Pierre. Ça va être le fun. Parfait. Merci, les gars. Salut, merci Pierre. Beaucoup.